Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur Garden of Bamban. Je crois que je le dis bien. Garden. Garden of Bamban. Garden, non, c'est quoi ça, Garden? Garden, c'est pas kindergarten ou je sais pas quoi, c'est genre la maternelle. Je crois qu'on va partir en maternelle, les frérots. C'est une dinguerie. Ambiance de dingue, vraiment. Ça me rappelle mon enfance, tout simplement. Bon, il y a le chapitre 2 de ce jeu qui va sortir d'ici quelques jours au moment où je filme cette vidéo. Donc, je me suis dit, ça serait pas mal de se plonger dans le premier chapitre avant de partir dans le deuxième. Après, si le premier chapitre, il est très très effrayant, ça sert à rien. Vraiment, on s'arrête là, c'était sympa et bref. Pour un parent qui cherche son enfant perdu, le temps est très important. Le temps est compté. Appuie sur l'horloge pour avancer le temps. Hein? Qu'est-ce que c'est cette histoire? What is this, man? Je comprends pas. C'est quoi ça? Hein? Là, je comprends pas trop ce qui se... Ah non! Oh, j'aime pas l'ambiance, c'est quoi ça? Je sais pas si on va faire la vidéo ou les rails. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. Donc c'est comme ça qu'on se déplace, tu connais. J'ai une vibe un peu de Poppy Playtime, c'est vrai. Et il y a pas mal de gens, je crois, qui ont un peu trouvé des similitudes, je crois. Ils ont dit, ouais, bon, c'est une imitation, tu vois ce que je veux dire. Bon, peut-être qu'il y a une inspiration, hein, c'est sûr et certain. Enfin, sûr et certain, je sais pas. Mais en tout cas, il y a peut-être une inspiration. En tout cas, j'ai vu des gens dire, ouais, imitation de Poppy Playtime. Je sais pas. En tout cas, le jeu est joli. Le jeu est vraiment beau. Ok, donc ça, c'est mes potes. Pas du c'est ceux qui ont kidnappé notre gosse. Ah, très bonne ambiance. Ah, faut mettre un code dès le départ. Effectivement, il y a un plagiat. Je crois qu'il y a un plagiat parce que Poppy Playtime, chapter 1, ça commence par ça. Hein? Oh, j'espère vraiment qu'il n'y a pas des jumpscares de foin parce que moi, j'aime pas trop ça. Pardon. Si tu m'as entendu trop proche parce que j'ai rapproché un peu trop ma bouche, désolé. Ah, voilà. J'ai une keycard. Keycard, c'est pour ça, non? Ah, voilà, ça s'ouvre. Allez. Ouais, un petit drone. J'ai un bouton qui me sert à quoi? Ah, la truc, elle a besoin, la télécommande a besoin de piles. Oh, c'est que je vais trouver des piles, sa mère. Là, il faut trouver des piles quelque part. Peut-être dans la poubelle. Ça n'a pas de sens de trouver des piles dans une poubelle. Attends, mais comment on fait passer pour de l'autre côté, là? Je peux appuyer sur le bouton? Il y a un gros bouton, là. Bizarre, hein, bizarre. Là, c'est quoi, ça? Une petite étagère, là. Mais c'est dommage, on n'a pas de flashlight. I need a flashlight, please, because... It's a problem aussi, non? On voit plus rien, ma gueule. Mais c'est bizarre, elle est au milieu, cette poubelle-là. Ah, on peut bouger les objets un peu. Ah ouais, d'accord. Bah, c'est sympa, ça. C'est pas mal, mais à quoi est-ce que cela nous avance Ah, mais voilà, il y a ça, là. C'est quoi? Ah, donc ça, c'est des piles. Donc voilà, j'ai une pile. Il en faut une deuxième. Think I need a second one? Oh, peut-être on va la trouver sur une table. Quelque chose comme ça. Je sais pas. Ah, la deuxième était juste là. Comme quoi, des fois, il faut juste ouvrir ses yeux. Ok, là, on revient ici. Ah, ben, le truc, il marche. Ok, donc le drone est en marche, comme vous pouvez le voir, et je sais pas où est-ce qu'elle va partir. Est-ce qu'elle va m'ouvrir la porte? Donc on peut utiliser notre jouet. Ça dit to use your toy. Attends, là je peux le téléporter. Ah, j'ai capté. En fait, je lui donne une direction et lui il y va. Ah, j'ai compris, d'accord. Mais où est-ce que je pourrais t'envoyer comme ça, mon ref? Ah, peut-être que je peux le faire appuyer le truc. J'ai compris, vu que je suis un mec un peu intelligent. Regarde, tu appuies sur le bouton là. Non, là mon ref. Attends, mets-toi au-dessus là et ensuite mets-toi ici, s'il te plaît. Il est trop bête, ce drone, c'est une dinguerie. Mais toi, il est juste devant toi. Voilà, tu appuies sur le bouton. Et oui, super. Alors, ça s'ouvre ou pas? Attends, il faut appuyer sur un autre bouton, là. Ah, d'accord, appuie sur ce bouton, alors. Et bim! Oh, gosse. Hein? Oh, non. Ah, salut, toi! Ça va ou quoi? Oh non, putain, ça a l'air éclaté, sa mère, les animations. Mais tu sais très bien que des fois, c'est des jumpscares les plus cheap qui te déglinguent, en fait. Pourquoi je peux pas aller là? Ah, il y a une sorte de vitre, je crois. Ok, d'accord. Bah, reste là-bas, l'oiseau. Reste là-bas, s'il te plaît, hein, ne viens pas. Nom de Dieu, ça fait trop flipper. Ouais, je joue avec l'endroit, trop bien. Ça dit, la fin est ici. Et là, c'est l'endroit vilain, Naughty Corner. Ah, d'accord, si je viens ici, quoi, on va m'éclater. C'est ça, c'est une punition, en fait, j'ai capté. Quoi, il fait aussi noir là-bas, frère? C'est pas normal qu'il fasse aussi noir. J'ai entendu un truc là. Putain, il fait peur, c'est une dinguerie. Pourquoi est-ce que je joue à ce jeu, les rails? Ah, je peux appuyer ici? Mais non, fais pas ça, mon ref. On a besoin de passer ici. Mais j'ai l'impression qu'il nous faut une sorte de keycard, tu vois. Il nous faut une carte. I think so. Ok, donc j'ai ramené le drone ici. Mais est-ce qu'elle pourra passer là? Je ne sais point. Et un bouton ici, en plus, tu vois. Donc là, en plus, ça m'a bien dit, le frérot ne peut pas passer à travers. Ouais, tu vois, il peut pas passer là. He cannot do this. Par contre, peut-être qu'il peut passer par là, non? Regarde, ça va être un peu plus compliqué. Allez, tu viens. Voilà, doucement. Et hop là. Maintenant, tu viens ici, s'il te plaît. Comme ça. Est-ce qu'il va y arriver? Franchement, je suis pas sûr. Hein. Il y aura le... Ah, en fait, il peut! Bah, fallait le dire, frérot, j'avais pas compris, moi! Ok, donc tout ce qui est jaune, il peut passer à travers. Tout ce qui est jaune, mais ça, là, il pouvait pas. Enfin, j'ai pas compris. Ok, vas-y, tu passes là, mon ref. Maintenant, juste là. Je sais pas si c'est une bonne idée, mais parce que c'est le Naughty Corner ici. Hein.
Peut-être qu'il y aura... pourquoi ça veut pas? Et si tu t'éclates contre le projecteur? Vas-y, mon ref. Mais non, pas ici, mon ref. Oh là là. Il est trop bête, ce drone. C'est une dinguerie, hein. Vas-y, pète le projecteur. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Choqué. Et si je l'envoyais là-bas? Tu peux me faire de la lumière là-bas? S'il te plaît, vas-y. Hi-ha. Ah non. Ça fait flipper quand même, là, non? Allez, mon ref. Allez, va là-bas sans moi, je te jure. T'inquiète, il va rien t'arriver. Voilà, tu vois bien. Allez, maintenant, encore plus loin. Va plus loin, mon ref. Putain, ça fait trop flipper. J'ai pas envie d'aller dans le noir, frérot. T'es fou, quoi, toi? Je vois un truc là-bas dans le noir, très chelou. Peut-être que j'ai capté. Peut-être qu'en fait, il faut éclater ces trucs-là, en fait. Et que ça va nous permettre d'activer les trucs là-bas. Vas-y, s'il appuie ici, est-ce que ça va refermer? Non, pas du tout. Hein. Bon, je vous cache pas, je vais dans le noir, les reilles, et je baisse le son. Je baisse le son au maximum. Là, j'entends que dalle. Juste parce que, soyons fous. Et parce que peut-être. Oh là 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 là, c'est quoi ça? C'est quoi que je vois ici? Oh mon dieu, c'est un arbre. Ah, je te jure que là, j'ai vraiment baissé le son du jeu parce que je sais pas sur quoi tomber. Ça me fait flipper tout ça, là. J'ai l'impression qu'il y a un truc à faire ici, dans cette salle où il fait noir. Mais on voit que dalle. Qu'est-ce que c'est que ça? Où est-ce que je suis parti, les reilles? Est-ce que je suis censé venir? Find eggs to feed Opila Bird. Mais c'est quoi ça? Et là, il faut enlever des. Faut choper un outil pour déglinguer ça. Ok, bah écoutez, apparemment, c'est safe de venir ici, hein. Ah, peut-être qu'il fallait appuyer. Ah, fallait appuyer ici pour allumer la lumière. Je me disais, j'étais dans le noir. Ah. Parce que c'est vrai, je me baladais dans le noir, là. J'avais trop peur. Ça se voyait que c'était grand, mais que. Ah, c'est lui en plus qui se baladait. Mais t'es vivant, toi. Pourquoi tu fais genre? Oh là là, c'est pas vrai, hein. Ah bah voilà. Voilà les œufs. Tiens. Je lui ai donné un œuf, voilà. Ça fait un effet, ma foi, catastrophique, hein. D'accord. Est-ce qu'il va bouger? Ça va devenir mon pote, peut-être, hein. Bah oui, ça se trouve, en fait, c'est pas effrayant, tout ça. C'est vraiment mes amis pour la vie. Et y a pas de quoi flipper, quoi. Le problème, c'est quand c'est des amis, en fait, ils font genre, ils sont morts alors qu'ils sont vivants. Tu vois ça, j'aime pas. Déjà, c'est une arnaque. J'ai trouvé deux œufs. Je crois que je lui en ai mis un dans sa gorge. Et y en a un autre, il doit traîner quelque part, là, tu vois. Mais y a un papier, je sais pas ce que c'est. Bring a friend day. Ça veut dire ramène un ami, le jour où tu ramènes un ami. Ouais, super. Oui, il y en a un autre ici, là. Et hop là. D'accord, ça fait un autre œuf dans mon fiac. Ah, il y en a un autre ici. Ouais, les enfants, trop bien. On va tous mourir. Je crois que c'est bon. Je vais lui mettre dans... Voilà. Ça fait un. Ça fait deux. Enfin, c'est trois en vrai, hein. 4, t'en veux combien, mon ref? Ah, il en faut 6, ça veut dire il en faut 2 autres. Mais apparemment, tu lui en donnes 6 et tu obtiens quelque chose. Get your prize, ça dit. A prize, ça veut dire une récompense, tout simplement. C'est quoi la récompense? À mon avis, c'est que dans cette pièce, parce que honnêtement, dans les autres pièces, il y a que dalle, hein. Je vois pas grand chose. Ok, bah, j'ai ramené mon drone ici parce que je me dis, ça se trouve, l'œuf, il est quelque part d'inaccessible, on ne sait pas. Mais il y a un truc ici, là. Crois pas que je t'ai pas vu. Qu'est-ce que ça va faire? Putain, c'est pas vrai. Pas que ça va éteindre la lumière, parce que je t'avoue, c'est pas trop cool, ça. D'accord, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? C'est pas rassurant, ça. C'est quoi, cette histoire? Ah, ça a rendu le truc, là. D'accord, vas-y. Parce que le bouton, maintenant, il est accessible. Ok, vas-y. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Là, j'ai trop peur ce que ça va faire. Bon, ça se trouve, ça a fait bouger quelque chose dans une pièce à côté. Un truc, non? Normalement, c'est censé ouvrir quelque chose, ça. Hein. Là, je vois pas ce que ça a fait, je te jure. Ah, ça a fait tomber un œuf. D'accord, ça se trouve, il vient de descendre du toboggan et j'ai pas calculé. Et peut-être que quelque part d'autre dans la pièce, il y en a un autre maintenant. Attends, je te le donne. Est-ce que c'est fini ou pas? C'était le dernier? Je sais pas, j'en ai d'autres. Non, il en reste un seul, les reilles, un seul. Oh mon dieu, il était trop bien caché. Ou bien c'est moi qui cherche trop mal, c'est pas possible. J'ai fait tout le tour de la pièce, incroyable. Voilà, j'ai peur de ce qui va se passer. Vas-y, tu manges, mon ref, ne deviens pas vivant. Non, frérot, c'est fini, j'ai trouvé 6 œufs. Qu'est-ce que tu veux d'autre? Ah, d'accord. Il m'a donné une carte. Ok, bah il a vomi une carte, d'accord. Bah, je sais pas si c'est un animal maintenant ou un engin électronique. Ok, ça marche. Non, mais reste où t'es, quoi que tu fasses, reste où t'es, d'accord. Si ça commence à bouger, frérot, j'aime pas trop. Hein. Le drone reste ici. Je pense qu'il faut faire ça, hein. Voilà, ouais, c'est bien ça. Tu fais le bouton. Tu fais le bouton pendant que je surveille l'autre, là. Je te surveille. J'ai entendu un truc. Peut-être qu'il y a une porte qui s'est ouverte ou je sais pas quoi. Ah, voilà, ça a ouvert ça. Ah, voilà l'objet qu'il nous faut pour éclater les planches en bois là-bas. Ok, ça dit distraction à 1. At 1, c'est quoi 1? What is this, frérot? Ok, mais j'ai pas envie de lui donner mon dos, lui, frère. C'est bizarre un peu cette histoire. Tu restes tranquille, hein. Je t'ai donné à manger en plus, je suis ton ami. Putain, il a un fiac. Attention, hop là. On a éclaté une, on a éclaté deux. Ok, attends. Non, mais je lui fais pas confiance, je te jure. Hein. Je suis là, j'avance. Ah, oh, même les objectifs, ça me fait peur. Donc, espace pour sauter. Ouais. D'accord. Ah là, il faut faire un truc ici, hein. Ok. Ça fait quoi là? On dirait un télésiège, you know. D'accord. Donc je me mets dessus, je suppose. Ça va m'emmener à l'autre endroit. Voilà. On fait ça.
Et normalement, ça m'emmène. Mais regarde, il y a les pattes du truc là sur le mur. Ça veut dire quoi ça? Ah. Ouais, c'est vrai, la vibe est bizarre. Il y a un peu, effectivement, une petite vibe à la Poppy Playtime. Vite fait, vite fait, vite fait. Mais attends, mais ça veut dire qu'il grimpe au mur, ce yinche. J'ai l'impression que c'est ça, hein. Parce que c'est bizarre un peu comme attitude, ça. Ok, alors c'est quoi tout ça? Comment ça, what was my color? Quelle était ta couleur? C'est quoi ça? Ah merde, je sais plus. Je crois que lui, il était vert. Ouais, faut mettre les bonnes couleurs. Attends, lui, c'est vert. L'oiseau, je crois, il est bleu. Putain, mais faut qu'on retourne au début, moi, je sais plus. Ah ouais, faut se rappeler. Lui, c'est pas orange ou rouge, je sais pas. Je crois qu'il est même pas orange. Je crois que c'est vraiment. Ah si, il y a orange, effectivement. Il y en a une là, elle est rose. Ouais, je sais plus, faut que je triche les reilles. Sinon, j'ai peut-être une pancarte ici. Alors, ça dit, je suis seul. Je veux jouer avec le trou. With the whole bird, but everyone left me. Je veux jouer avec l'oiseau du trou. C'est ça? Whole bird. Mais tout le monde m'a laissé. Tout le monde fait la fête sans moi. Miss Mason, c'est une meuf, elle s'appelle Mason. Elle me voit, mais elle part. J'ai peur parce que le trou fait du bruit. Et mes amis crient dedans. Mais l'oiseau est drôle. Mais tu es sous coque, en fait, ou c'est quoi? Parce que c'est très bizarre, un peu comme... Enfin, de manière d'écrire et tout ça. C'est quoi ça, là? C'est très bizarre, cette histoire. Ah, mais là, tu vois que ça peut nous donner accès à une carte orange. Pas mal. Et du coup, si on tombe ici, c'est parce quoi? On meurt? Là, j'ai même pas envie. Même pas envie parce que j'ai même pas de sauvegarde ou quoi, tu vois. Donc, impression, si tu tombes ici, bon courage. Ok, c'est bon. Donc là, j'ai chopé la photo des persos juste pour ne pas avoir à retourner je sais pas où. Mais c'est bizarre, mais moi, je pensais qu'il était. Mais je suis pas fou, il est bleu le truc, normalement. Mais là, ça me dit sur le. Enfin, l'image me montre que l'oiseau, il est rose, quoi, tu vois. L'oiseau est rose. Donc voilà, j'apprends quelque chose. Et moi qui pensais qu'il y avait un autre truc qui était truc. Donc lui, il est rouge, on dirait Starfall là. Lui, on dirait le chétan, hein. Je te jure. Oh, mais j'aurais dû le laisser rouge. Et sa meuf, elle est blanche, apparemment. Ok. Donc là, toi, tu es blanche. Le frérot, lui, il est vert. Là, c'est rose. Le type, là, il est mauve. Je crois que c'est ça, c'est du mauve, hein. Donc c'est tout bon, là. Ouais. Merci. Alors, mais pourquoi tu... Bah non, j'ai besoin de revenir, mon ref. Ah! Waouh! Je l'avais pas vu! Non! Non! Waouh! Non! Non, non, non! Pourquoi tu fais ça, toi? Il arrive! Tu penses qu'il vient vers nous? Qu'est-ce qu'il fait? Ma parole! Non, 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 non! 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 Non, je me jette! Je me jette! J'ai juré, je me jette! C'est pas possible! Mais wesh! Mais comment j'étais censé savoir? Pourquoi ça m'a mis un T? Mais wesh, ça veut dire quoi? Appuyez sur E pour se réincarner. D'accord. Attends, mais... Ah, mais peut-être fallait que je m'échappe par un autre sens. Attends, c'est obligé, il y a un autre moyen. C'est obligé. Regarde, là, il y a un truc à faire. Non. Non, mais là, il y a un truc à faire. Non, mais là, il y a un truc à faire, ça, là. Oh non! Ah, mais attends, peut-être que je peux balancer ça sur lui. Ah, fallait que je fasse ça. Merde. Non, mais attends, il va me choper, lui. Il va me choper. Ok, ça a appuyé sur ça. Ça a appuyé. Non, mais dégage-toi, dégage. Qu'est-ce qu'il fait? Non, mais non! Oh, mais il est gentil, en fait. Mais c'est trop mimi, les screamers dans le jeu, en fait! Fallait me le dire, moi, j'avais trop peur. Attends, je suis mort la première fois, ça m'a dit T. La deuxième fois, ça me dit R. Ça dit quoi, frère? Me dis pas que... Genre, au bout d'un moment, tu dois tout recommencer. Il est trop gentil, en fait. J'ai juré, il est trop gentil. Ok, bah, heureusement, mon drone, il est là, mon ref. Et moi, je dois venir ici, en fait, t'as capté? Aïe. Ok, vas-y, mon ref. Aïe. Attends, je vais l'éviter, je te jure, je vais lui faire une vesqui. J'ai juré, je vais lui faire une vesqui. Allez, viens si tu veux. Voilà, la plateforme. C'était une plateforme que j'avais pas vu. Oui, faut sprinter, voilà, t'es nul, mec, de fou. Mais il vient, comment je fais? Ah, je suis bloqué. Fallait que je fasse un bouton. Merde. Non. Mais mon ref, c'est gentil de me crier dessus comme ça, là, d'une manière mignonne, mais oh. Et si je me rapproche trop de lui, tu penses qu'il me fait quelque chose? Ah. Mais oui, il me fait quelque chose, mais c'est pas... Non, mais là, c'est nul. Salut. Oh, je te jure, il est presque mimi. Attends, prépare-toi. Vas-y, mon ref. Non, pas là. Je me suis trompé, je vais me buter. Non, c'est là. Va là, mon ref. Non, doucement. Reste où t'es. Tu m'attends gentiment, d'accord? Il a fait ou pas? Oh là, il a pas fait. Non, mais vas-y. Oui. C'est bon. Oh là. Aïe. Faut que je fasse un truc, là. Émergent. Ah! Ouh! Oh là. Miskin. Ah, il est tombé de loin. Sa mère. Hein. Par contre, quand je vois ça, ça me rassure pas. Je me dis, il va peut-être remonter, hein, du coup. Ça veut dire qu'il est déjà remonté d'en bas, en fait. Oui, c'est ça que ça veut dire, à mon avis. Bon, on s'est débarrassé de l'oiseau. Il était très gentil, en vérité, mais assez maladroit, je dirais.
On peut utiliser cette porte. J'aime bien, moi, ce système de porte, là, comme ça. C'est plutôt sympa. Ouais, un grand écran, là. C'est que ça sert à quoi, tout ça? Ah, mais ça, c'est un boarding pass, ça. Ça sert à quoi? De Montréal à Madrid. Oh, c'est une très belle ville, ma foi, d'accord. C'est intéressant, mais à quoi bon, j'ai envie de dire. Y a un truc à faire ici ou pas, non? Bizarre, quelqu'un est repassé derrière moi pour tout ranger, alors que j'avais foutu le bordel ici de fou. Y a quelqu'un ici ou y a toujours personne? Ouais, bah, apparemment, on est toujours solo, hein. Belle ambiance. J'ai l'impression qu'il n'y a rien avec quoi interagir ici, là. C'est vraiment bizarre. Ah, il y a un truc, là. Ça, c'est subtil. T'as l'impression que tu vois que dalle. C'est devant toi, mais en fait, tu le vois pas. Ouais, c'est chelou. Bon, allez, mon ref. Ça va nous mettre un truc à la télé ou pas? Non, ça va mettre ça. D'accord. Du coup... Hein? C'est une chambre secrète, ça, c'est quoi? Très bizarre. Hello! Hello, please, can I come? Je peux venir, s'il vous plaît? On ne dit pas que ça va faire remonter un monstre. Ça descend loin, en plus, c'est quoi, ça? C'est très bizarre. Ah, d'accord, une plateforme. Et tout éclaté, en plus. Je sais pas pourquoi ça me rappelle Five Nights at Freddy's. Ah, bah, c'est très accueillant, ma foi. Ok. Bon, merci pour l'accueil. Merci pour l'accueil, j'espère que le drone y pourra venir. Mais ça sert à quoi de mettre des barrières comme ça? Elle est à moitié pétée, et ça, c'est complètement ouvert, là! C'est quoi, ça? Ouais, non, moi, je ressens totalement la vibe Poppy Playtime. Je ressens totalement la vibe parce que c'est vrai que c'est un peu ça. C'est quoi ça? Hein? Wesh. Ah! Salut! Oh, il est grand de fou! Il est grand de fou! Aïe, 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 il est en train de tabasser le... Ah! Salut mon ref, qu'est-ce que je dois faire? Ou plutôt, qu'est-ce que je... Il a arraché la plateforme. Techniquement, je suis mort, non? Ouais, je suis parti loin en bas. Ça se trouve, on va retomber sur l'oiseau. Il va me dire, tu m'as zappé, tu m'as laissé tomber. Comment on se retrouve? Quoi? Non, mais attends, c'est bizarre parce que j'ai raté une pièce. Il manquait une pièce, non? Bien, peut-être que l'autre pièce, c'était juste pour faire beau. Ouais, c'est chelou, ma foi. J'ai vraiment l'impression d'être passé à côté de quelque chose si y avait une autre pièce et j'ai pas trouvé la carte, peut-être, je sais pas. Ah, bah, apparemment, non, j'ai pas raté la room. Je crois qu'en fait, on n'est pas censé y aller, hein. De ce que j'ai vu. Dans tous les cas, j'espère que vous avez kiffé cette courte vidéo. Moi, j'aime bien un petit jeu comme ça, vraiment, vous savez. Si vous avez des jeux d'horreur dans ce style qui n'ont pas des jumpscares, des trucs de fou qui viennent dans ta face, voilà, moi, je m'attendais à ça dans cette vidéo et je l'ai quand même fait parce que je me suis dit, bon, écoute, peut-être que je passais à côté de quelque chose. Et en fait, effectivement, je passais à côté de quelque chose parce que c'est très sympathique. Et bon, il y a le deuxième épisode qui sort dans pas très longtemps, voilà, quelques jours au moment où je vous parle. Donc, ouais, je pense que je vais sauter sur l'occasion. Dans tous les cas, prenez soin de vous, Chunio. Peace!